Hi, Mark Allen. So I don't think we can have to say more about you, except that you're the legend of the triathlon. You won so many races, and today you're here in Tahiti. So is it your first time here? It's my first time. I've been dreaming of coming here since I was, you know, since 40 years now. And so finally it really worked out to come, and to be here for the first Xterra event was really great. Just crossing the island was just unbelievable. You know, you can look from the outside, but when you're actually in it, it's just amazingly beautiful and green and lush and water and waterfalls and a tough course. And what do you think about the whole race? Like, do you think it's a difficult one? Like, or have you seen more difficult? I don't think I've ever seen a course as physically demanding. You know, the climbing was very steep and long. There's other courses that maybe were more technical, but this I think is perhaps one of the most difficult courses anywhere. But the athletes love that kind of a challenge. You know, it's hard on a day, but then you go home and you have a great story to tell. And as the sponsor of this event, so what can you say? Do you think it's a real success? I think it's an amazing success. You know, every race has to start in the beginning. You know, this is the first year for Xterra, and I think once people see the images in Europe, over in America, that next year you're going to have, you know, 500 people instead of 100. So I think it's going to grow very quickly. Que tout le monde est en place à l'heure, donc c'est vraiment ça, c'est toujours important pour les athlètes. Une météo, ben voilà, avec un petit peu de vent, donc ça va secouer un peu. Quelques points, un petit peu, je vais peut-être passer la parole aussi à l'arbitre. Moi, je vous souhaite une très bonne course, faites-vous plaisir et on vous attend à l'arrivée. Merci, Tarana. Nous sommes ici pour aujourd'hui, donc pour vous voir, tout simplement pour vous témoigner. Donc le soutien du gouvernement, au nom donc du président de la Polynésie française, donc nous souhaitons donc de passer donc une très agréable journée. Dieu vivant du triathlon, Monsieur Mark Allen, qui va vous encourager, je l'espère. Bonjour à tous et merci beaucoup à tous les gens ici qui nous invitaient ici et pour nous aider pour la première édition de Xterra. Et je suis très très heureux d'être à Tahiti. C'était un rêve de moi depuis 40 ans. Je suis vieux. Alors, bonne chance aujourd'hui, bon courage et je vous vois à l'arrivée. Merci beaucoup. Merci Marc, c'est super. 15 secondes. Bon courage à tous. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, allez!
Merci Marc. C'est Marc qui a donné le départ. Très classique, deux tours en mer, c'est vrai qu'on peut rarement changer les profils des natations, donc la natation très classique mais très plaisante quand même dans un beau lagon et une super ambiance même dans l'eau avec le ponton, l'orchestre local sur le ponton, c'était quand même génial. Vélo, à peine on part, ça monte pendant une quinzaine de kilomètres, plus de 900 mètres de dénivelé positif. Donc déjà, c'est déjà énormément de dénivelé, mais en plus, si on rajoute la chaleur, l'humidité, les organismes sont vraiment mis à rude épreuve. We'll be right back.
such a hard race. It's one of the hardest exteriors I've ever done. The climbing on the bike was just super, super hard, and we even started with a tough swim. It was really, there were a lot of strong currents out there, and it was really windy and choppy, so that made it really difficult. La première partie est quand même assez facile, les 10 premiers kilomètres. Après, j'avais fait un mauvais choix technique. J'étais un peu trop gonflé derrière avec un pneu pas trop bien adapté. Donc c'est vrai que c'était difficile au début. Je me suis arrêté dégonflé et à partir du 13e kilomètre, la partie la plus pentue, j'ai vraiment fait le forcing pour distancer Tony et pour pas qu'Oliver me rattrape. Parce que je pensais très honnêtement qu'il allait poser le vélo devant moi et que je serais obligé de le rattraper en course à pied. Et donc de faire le forcing à pied, et j'ai changé mes stratégies d'habitude pour forcer à vélo et profiter à pied. Mais c'est vrai que le vélo, c'est l'enfer dans le paradis vert. C'est quand même, c'est vraiment difficile le vélo. Alors natation, c'était plus une course d'attente. On sort en tête à 3 de l'eau. Ensuite le vélo jusqu'au 10e kilomètre, je suis dans le coup, tout va bien. Et puis quand ça a commencé à bien monter, c'était bien pentu jusqu'au 15e, là j'ai commencé à craquer. Alors première du Xterra ici à Tahiti, est-ce qu'on peut parler d'une première réussie? Ben, on voit l'ambiance, on voit tout le monde arriver forcément complètement fracassé, on peut le dire, parce que ben, c'est une course qui est difficile, énormément de dénivelé, l'humidité, la chaleur. Mais je pense que tout le monde a eu aussi des frissons en passant la ligne avec voilà, les groupes de musique, avec les paysages qu'ils ont pu malgré tout apprécier. Je pense que même si on est dans l'effort, on peut qu'apprécier des paysages donc sur cette île. Donc oui, c'est une première plus que réussie. Tout est parti à l'heure, tout a fonctionné parfaitement, ce qui est un challenge pour une première. On voit que c'est une équipe qui est quand même rodée, qui a l'habitude d'organiser, mais des fois, moi j'arrive sur des épreuves comme ça et c'est pas forcément le cas. Ils croient être rodés, mais face à une, on va dire, un peu plus de pression parce qu'ils ont un label, et ben ils assurent pas forcément. Et là, aujourd'hui, ils ont vraiment assuré et la course a été, on va dire, maîtrisée de A jusqu'à Z.
ici de l'entrée justement cette course dans le circuit XTERRA. Alors en fait, pour tout te dire, ce qui nous a vraiment motivés tous, c'est une personne. C'est Madame Cholet, enfin, Mademoiselle Cholet van Landingham, une grande dame du XTERRA qui nous a fait comprendre que notre petite course franc-haïtienne avait sa place dans la place des grands. Bon, alors c'est sûr qu'un petit club comme VSOP, ça pourrait paraître un peu ambitieux. On a hésité longuement et puis quand on a été contacté par Tom Kelly et Janet, la présidente du XTERRA Monde, pour nous faire comprendre qu'on avait nos chances de rentrer dedans, on s'est dit voilà, c'est un gros challenge, est-ce que les pouvoirs publics vont suivre en si peu de temps? Tout le monde a regardé, tout le monde a compris qu'il y avait un réel potentiel pour la Polynésie, sur le plan sportif et sur le plan touristique. Tout le monde a joué le jeu, ça s'est fait un peu à la va-vite. Je pense que c'est une grande réussite maintenant, après 2 mois de travail. On se rend compte que les gens sont heureux. Le directeur technique de XTERRA, ancien champion du monde, Nicolas Lebrun, nous a dit qu'on est sur la bonne voie. Donc je pense que 2016, si tout le monde continue à penser que c'est une course qui mérite d'avoir ses lettres de noblesse ici, je pense qu'on aura tout pour en faire justement une course mythique. Forcément super technique, mais beaucoup de dénivelé. On sait qu'il y a qu'Olivier Marceau qui a réussi à faire le parcours en vélo. T'as dû descendre du vélo? Oui, bah plusieurs fois, notamment au début, dès que je cherchais de l'adhérence sur la voie arrière, je patinais, donc je suis descendu plusieurs fois. Et c'est vrai qu'il y a des endroits où on passe plus vite au petit pas, au petit trot que sur le vélo, et on se fait quand même moins mal aux cuisses. Après, les 20 premiers kilomètres étaient quand même humides, le sol était humide, ça glissait beaucoup. Mais le défi de tout faire sur le vélo, je ne l'ai pas relevé aujourd'hui, mais j'ai essayé d'honorer le mieux possible l'organisation. J'ai gagné et je suis très fier pour eux et très content d'être là. Et justement, tu disais que tu étais parti avec Tony, que tu l'as distancé en vélo. Est-ce que tu as été surpris de ne pas voir Oliver te rattraper?
Oui, c'est vrai que Oliver, je pensais le voir entre plutôt le 10 et le 15e kilomètre en VTT revenir sur nous, parce qu'il était à 1 minute 10 à la sortie de l'eau. Après, ne l'ayant pas vu au 15e, il restait 5 km de montée difficile jusqu'au fameux tunnel. Donc là, j'ai vraiment fait un gros effort physique. Après, on a eu du visuel sur la petite boucle de 6 km, enfin, de 6 km en aller-retour. Et là, j'ai vu qu'Oliver était quasiment à 1 minute 30, 1 minute 45. Donc là, ça m'a permis de finir plus tranquille le vélo et de préparer la course à pied plus sereinement. Mais c'est vrai que les 4 premiers kilomètres de course à pied avec les 6 passages de guet sont vraiment difficiles. Moi, j'ai marché dans tous les guets. Il y a même un où je me suis allongé pour reprendre un peu, pour faire refroidir le moteur. Et on a vu les paysages magnifiques, le paradis sur les paysages et la piste de l'enfer. Est-ce que tu as eu le temps quand même de voilà, pas de prendre de photos, mais de regarder un peu autour de toi? Oui, bah y a, c'est vrai qu'il y a 3-4 points vraiment, vraiment magnifiques. Après, sur le VTT, on n'a pas le temps parce que c'est vrai qu'on est... Bah, je suis venu pour faire la meilleure course possible et en VTT, j'ai déjà fait quelques erreurs techniques, des erreurs de pédalage. Et c'est vrai que pour louper une trajectoire, parce qu'on regarde un point, une belle cascade ou un joli pont, ça aurait été quand même dommage. Et par contre, à pied, j'ai vraiment savouré à pied. Ouais, j'ai pris le temps de regarder. My favourite part was definitely the run. It was just like probably the most beautiful Xterra run I've ever done. And yeah, I was so stoked every time I got to a river and I could jump in and cool down. And then when I got to the waterfall at the end, I didn't want to have to keep running. I just wanted to jump in and have a swim there. So yeah, but no, it's awesome to finish second. I'm pretty happy. Diamant 3 participation, ma foi, c'est pas mal. Je suis tombé sur plus fort que moi. Le VTT, c'est pas trop mon truc. Les devants, c'était plus technique. Donc je suis à ma place, je suis très content. Et ma foi, c'est plutôt une bonne chose de que la course soit pliée dès le tunnel, parce que c'était le cas. Hein. Comme ça, toute la côte est, je peux lever la tête et puis profiter des paysages. Ça, c'est l'expérience qui joue. Ouais. Je peux vraiment profiter du paysage parce que le problème, c'est quand on est à fond du début à la fin, on ne peut pas lever les yeux et on passe à côté de ça. Quoi. Donc là, je suis vraiment content de pouvoir en profiter. Quoi. C'est ce qui t'attire à chaque fois de venir ici? Ce qui m'attire, je vais te dire, c'est l'accueil. Et l'accueil, pour moi, l'accueil, c'est pas seulement mettre un coulée de fleurs autour de la tête. Hein. C'est pas ça. C'est tous ces gens qui sont humbles et qui viennent vers moi alors que je viens une fois tous les ans et j'ai un accueil incroyable. Quoi. Les gens, ils sont pas pudiques et il faut vraiment leur renvoyer cet accueil-là parce que c'est vous en valez le coup. C'est premier Polynésien, 5e. Un mot sur votre course aujourd'hui? Je suis assez content. L'objectif c'était sans fausse modestie, c'était vraiment d'arriver au bout parce que j'ai plus les moyens de m'entraîner comme je veux. Donc tu me poseras la question à tout le monde, tu verras que tout le monde te dira que c'est une course de fou. Donc il faut vraiment gérer sa forme pour être sûr d'arriver au bout et de ne pas exploser. Donc tout le long, je me suis soucié vraiment de moi. Et puis ça a marché, puis j'ai fait une bonne course à pied, puis je me suis vraiment fait plaisir, donc c'est ça quand même le plus important.
first women to arrive here. How do you feel? What are your impressions about the whole race? The whole race, it was an amazing race. It's just such a beautiful place to have a race. So tough though at the same time, so a real accomplishment just to finish the race. I've never had hills that steep, both up and down. And then the run's really tough to finish as well, but fantastic, beautiful waterfalls, and just the support of the volunteers across the course was really cool, and an amazing welcome home, so fantastic race. Bilan très positif, alors ça a été déjà une fête extraordinaire à Mataya, sur la plage, où on nous avait accueillis vraiment comme des rois. La commune a mis tous les moyens pour que ce soit un triathlon international. Les internationaux ont été surpris par l'accueil, par le horero et par ce groupe de musique qui était posé sur l'eau, sur une plateforme avec des paus, c'était magique. Ils ont nagé 1,5 km sous un beau climat, un climat magnifique. Ils ont ensuite attaqué la vallée couvert avec un peu de nuages. Mais donc c'était suffisamment bien pour attaquer la montagne et le lac Bayeria. Et derrière, ils ont subi les fortes chaleurs. Et surtout, sur les 10 derniers kilomètres, une dizaine de gués à traverser. Ils sont arrivés épuisés, mais heureux. Ils nous ont dit que c'est certainement le triathlon le plus dur qu'on ait jamais fait. Une arrivée majestueuse avec des horreros. C'était voilà. Un moment majestueux. Voilà, comme pour le départ, à l'arrivée, ils avaient un groupe marquisien. Et vous avez vu, ils ont mis le feu, les marquisiens, et nos athlètes ont continué à danser, ce qui prouvait qu'ils avaient encore de la ressource. Bien, bonjour, nous sommes le quatrième jour du Tour Divide. 25 jours de piste en VTT chargé de 30 kg de bagages. Jean-Michel Monod allongé du nord au sud, la ligne de séparation des eaux de l'Amérique du Nord, de Banff au Canada jusqu'à la frontière mexicaine. Eh bien voilà, je vais réattaquer une nouvelle journée. La grosse difficulté du jour, deux énormes cols à franchir. Plus qu'un exploit sportif, il réalise une nouvelle aventure humaine.
pour sensibiliser l'opinion sur la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, maladie que son ami Loïc combat depuis plus d'un an. On a eu des messages d'Israël, de l'île de la Réunion, de la France, des États-Unis, de Tahiti bien sûr. Enfin, ça a pris une proportion qu'on n'estimait pas et ça c'est la belle réussite de cette histoire. Grâce aux réseaux sociaux et à Internet, Loïc a subi quotidiennement l'avancée de Jean-Michel et des 150 autres coureurs engagés dans le Tour Divide. C'était vraiment très fort. Des moments où Jean-Michel n'était pas bien, nous on était là derrière pour le pousser, pour l'aider dans des moments difficiles. Donc on avait vraiment l'impression de participer à la course. Le Tour Divide, c'est un parcours semé d'embûches. Passage impressionnant dans cette ancienne voie de chemin de fer, très sableuse, remplie de bosses, c'est très technique. Il y a environ 60 à 70 km à couvrir ainsi. On va essayer de garder de l'énergie, mais c'est physique. Allez, on y va. 4450 km sur la carte, une centaine de plus au final pour Jean-Michel à cause d'erreurs de parcours en début d'aventure. On va s'accrocher, hein, on va s'accrocher. J'ai un GPS, donc je vais éviter de me perdre maintenant. Des cols de 3500 mètres d'altitude à franchir et des conditions climatiques parfois violentes. Vous l'aurez bien compris, on est pris dans un orage. Donc on va attendre que ça se calme un petit peu avant de prendre le moindre risque. Donc pour moi, ça a été le gros plus, c'est de m'adapter chaque jour aux difficultés, aux surprises, aux inattendus. Enfin... Au fil du parcours, Jean-Michel a franchi au total 65 000 mètres de dénivelé positif. Ben voilà, je viens de gravir le sommet du Tour Divide. Au nom de l'amitié et malgré les difficultés, Jean-Michel n'a pas renoncé un instant. Je vais donc partir dans quelques minutes, ça fera donc 25 jours pile que je suis parti. Il faudra à peu près un petit peu moins de 5 heures je pense pour rejoindre la frontière. Loïc sera là et nous passerons ensemble cette fameuse ligne d'arrivée. Grâce aux fonds récoltés et à de nombreux soutiens, Loïc s'est rendu dans le désert pour vivre les derniers kilomètres du Tour Divide. Je ne l'ai jamais vu se mettre dans un état pareil. À l'arrivée, quand on l'a retrouvé, on pouvait mesurer l'intensité de l'effort. Fort d'une amitié de plus de 10 ans, Jean-Michel et Loïc ont réussi l'aventure de rouler pour la SLA. Un message qui, tout au long du Divide, a pris un écho mondial pour que l'opinion publique en sache un peu plus sur les maladies orphelines.